Hey, what's up YouTube, salut les potes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le voleur miracle qui fait son retour dans Hearthstone. Ça fait vraiment très très plaisir. Moi je suis pas un énorme joueur de miracle, hein. Je suis pas un énorme joueur de voleur de manière générale. J'ai pas une classe que j'aime beaucoup. Mais là, cette decklist là m'a redonné le goût du vol, j'allais dire, mais c'est un très mauvais jeu de mots, donc excusez-moi par avance. Le goût du voleur. Oh, pardon, je vais pas me lancer là-dedans parce que c'est trop compliqué, le goût du voleur, c'est le goût du rogue. Rogue. En anglais c'est rogue et en français c'est voleur. Pourquoi? Pourquoi? Bref. C'est une décision vraiment très agréable à jouer, très très sympathique, qui est très très jouée à l'heure actuelle en ladder. Il y a quelques variantes, hein. Il y a des versions qui jouent pas Leroy, il y en a qui en jouent, il y a des gens qui jouent les Chris à la place, hein. Les Chris c'est cette carte à deux. Il y a plusieurs versions différentes. Moi j'aime bien cette version là qui est vraiment très agréable à jouer avec les matelots, le matelot des mers du sud. Elle est extrêmement sympathique. Et donc voilà, double commissaire priseur, le principe c'est de piocher le maximum de cartes avec les préparations, les commissaires priseurs, et de gagner avec Leroy Jenkins. On peut dissimuler évidemment les commissaires priseurs. Il y a pas mal de plans de jeu différents, les games sont jamais les mêmes. De temps en temps vous pouvez faire un Von Cleef 10-10 tour 2 et le dissimuler. De temps en temps vous pouvez faire un commissaire tour 6 et piocher tous votre deck en un tour. Il y a plein de plans de jeu différents. Globalement si vous n'avez pas Von Cleef, je vous conseille probablement de mettre cette carte là. Attendez, je vais changer de musique par contre parce qu'elle est très agréable celle-là. De mettre ça, aventurier en pleine quête. C'est un petit peu différent, mais c'est ce qui remplace le mieux le Von Cleef. Von Cleef restera meilleur hein, évidemment. Et si vous n'avez pas Xaryl, mettez une carte à pièces détachées. Voilà, un Yeti ou quelque chose dans le genre. Mais Xaryl est évidemment la carte qui fait qu'on a envie de jouer maintenant Voleur Miracle parce que les cartes toxines sont vraiment très très fortes. Allez, on va partir avec cette decklist là rapidement. Faire une ou deux petites games, montrer un petit peu ce que ça vaut. J'ai essayé pas mal de decklists différentes ces derniers jours, j'ai vraiment fait que des essais, pas mal de nouvelles decklists, etc. Essayer de voir ce qui peut marcher, ce qui marche pas, ce qui peut surprendre, etc. Et ça que je me suis dit, cette decklist là, voleur, j'ai jamais fait de vidéo voleur sur ma chaîne, en un petit moment maintenant, et je me suis dit, bon, on va quand même en faire une un jour, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah allez, c'est parti, c'est le moment. On est contre Shaman. Shaman est probablement le pire matchup si c'est un Shaman aggro. Si c'est un Shaman contrôle, ça va. Les seuls mauvais matchup, le seul problème de ce deck là, c'est qu'on doit lui trouver un problème, c'est qu'il n'y a pas de soin en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, c'est vrai que Shaman, c'est un deck très aggro. Et donc du coup, si vous jouez contre un deck aggro et que vous n'avez pas de soin, c'est la merde. On a un assommé, ça va être cool pour gérer, comment il s'appelle l'autre gars pour gérer le 7-7, voilà, et donc du coup c'est cool. Alors, je pense que c'est pièce à joindre du 6-7 là-dedans, non? Sinon on peut dague et taper là-dedans, on sait. Ouais, c'est correct de dague là-dedans. C'est toujours chiant un bouclier divin, dans tous les cas là, il nous fait une sortie assez correcte. Il a pas eu les trocs tour 1, c'est cool. On aurait eu beaucoup de mal. Ah, c'est chiant ça. Ça, c'est très chiant. Alors, comment on peut gérer ça? C'est probablement pièce, agent du SC7 et dissimulé. Ok. Option 3, on peut soigner un petit peu, mais là, on est déjà à 22 HP. Vous voyez, genre Shaman Face, c'est juste le pire matchup possible. Je pense qu'à part Shaman Face, tous les matchups sont globalement soit favorable, soit quand même, on va dire, jouable. Shaman Face est juste infâme. Ok, il a eu le totem de tonne, ça lui protège à 1-1, c'est pas très grave pour l'instant. On a un petit peu de soin, je suis pas sûr que ça suffise. Ouh, préparation. Est-ce qu'on ferait pas préparation? Jouer ça et redissimuler. Ok, ça m'a l'air d'être le meilleur play à faire pour gagner du temps. On assomme une 2-3, ce qui est pas génial en soi, on préférerait évidemment assommer autre chose. Mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix les gars. Au prochain temps ça va être dag et on va sonner 2-3 je pense. Et on aura une 6-6 qui va nous permettre de trade certains trucs. Là s'il nous joue la 7-7, on est dégoûté hein, d'avoir assommé la 2-3. Mais bon, on est tellement déjà mal dans la game. Pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans. Nice. Deuxième esprit farouche, très bien. Ouais, on est déjà tellement en retard en termes de points de vie qu'on peut pas se permettre de se dire ouais et tout, je vais patienter. Non, non, ça marche pas ça. Chien, tous autant que vous êtes. Ok, jouons ça et passons le tour. Ok, on est
très bas en HP, il a énormément de cartes dans la main. On a probablement encore 5% de chance de gagner la partie, mais pour ces 5% de chance là, ça vaut le coup de jouer. Il nous faudrait quoi? Il nous faudrait Gadgetzan en fait. Il nous faudrait deuxième assommé. Il faudrait deuxième assommé, les gars. On y croit. Deuxième assommé, allez! Ah! Never deuxième assommé. Ok. Si je fais ça. 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 Et que je me soigne. Ok. Il nous faut le Gadgetzan, les gars. Il nous faut le commissaire priseur. Rien n'est joué encore. On a encore une chance. On a encore une très faible, une chance infime. Mais on a encore une petite chance. Et pour cette petite chance là, il faut espérer, les gars. On y croit. On croit en l'âme des cartes, les gars. On a encore un Gadgetzan ici. Et Gadgetzan, ça peut nous ramener avec la pièce et le sang-froid des préparations. Ça peut nous ramener plein de cartes extraordinaires avec deuxième sang-froid, etc. Avec Leroy, on pourra le tuer en un seul tour. Faut pas... En général, quand vous jouez. Oh non, j'espère qu'il va pas taper 3 dans les deux. Ah nice, c'est super ça, très bonne nouvelle. D'ailleurs du coup il claque son tour à trade, c'est très bon pour nous. Oh, j'ai tellement envie de Leroy puissance accablante. Leroy pardon sang froid. Oh, j'ai tellement envie de Leroy sang froid. Non, ça vaut le coup, c'est débile. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a pas de sens. Leroy était la pire carte qu'on pouvait piocher sur ce tour, c'est horrible. J'ai pas mis la décaisse sur la gauche, mais du coup, bah... Du coup, mince. Mais bon, c'est pas grave. C'est une vidéo, du coup, vous pourrez retourner au début pour la voir si ça vous intéresse. Ok, va, Crocoque sur lui-même et le tuer. Ça marche. Donc, du coup, c'était un chaman midrange qui a juste fait une sortie tellement agressive qu'il a failli nous tuer en 3 tours. Ok, je pensais vraiment que c'était un chaman agro vu ce qu'il nous a fait. Ok. Ça passe. J'ai tapé un petit peu vite, j'aurais pu le regretter si j'avais eu une toxine intéressante. La toxine plus 3 d'attaque, je sais pas ce qu'elle vaut. Elle est pas ouf. Le meilleur toxine, c'est celle qui pioche, je pense. Il y a la celle qui dissimule, il y a celle qui remonte une carte. Ouais, celle qui remonte une carte est très bonne, surtout avec un Leroy dans la main. On peut encore l'avoir en vrai. Ok, bah juste face. Très bien. Intéressant. Totem de taunt. Fuck you, what the fuck. De ma gueule là. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Ok, il a 8 dégâts ici. On peut rien faire. On peut, surtout avec ce totem de taunt, on ne peut rien faire. On peut limite juste passer le tour. On va faire ça juste pour piocher une carte. Faut piocher une carte. Ah bah voilà. Piocher une bonne carte s'il vous plaît. Ah, le Drake, très bien. Le Drake. Allez. Ah, oh, ok. Me tue pas sur ce tour, please. Pourquoi on doit tomber contre un chaman dès qu'on lance une vidéo, quoi? Me tue pas sur ce tour, please. Laisse-moi une chance. Ah non. Dommage. Du coup, c'était pas du tout un chaman face, c'était un chaman midrange. Enfin, c'est un chaman fury sanguinaire. Il a juste fait une sortie de chaman face, en fait. Il a eu tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, etc. etc. et il nous a roulé dessus. Contre ce genre de deck là, il nous faut en général, il vous faut en main de départ backstab, agent du SI7, la pièce si possible, ça dépend pas de vous. Il vous faut poison mortel, il vous faut prophète, ça c'est cool. Ouais, globalement, mais surtout les backstab, très très important d'avoir les backstab. Parce que quand vous avez pas les backstab, c'est vraiment galère. Backstab, c'est attaque sournoise. Ok, là pour le coup, bah ça, cette main là a été géniale tout à l'heure contre le machin. Là pour le coup contre Warrior, je sais pas si c'est génial. Peut-être juste garder attaque. Non, même pas attaque sournoise. Peut-être juste à rien garder. Essayer. On va aller chercher la 3-2, la légendaire. Et on va aller chercher. Ouais, Drake Azur. Ouais, j'en joue 7, pourquoi pas. Warrior est un match correct pour peu qu'il ait pas trop d'armes. S'il a des armes, c'est assez embêtant. J'ai joué ce deck là hier pendant la nuit. J'ai pas mal joué. J'ai joué sur une dizaine de games, je crois que j'ai fait genre 7-3 ou 6-4. Soit 7-3, soit 6-4. Parce que j'avais fait une grosse série de victoires, après j'ai perdu genre 2 games. Et après j'ai arrêté. Comme toujours, hein. Quand vous gagnez, vous continuez. Quand vous perdez, vous commencez à vous dire: ah, le deck avait l'air plus fort juste avant, c'est bizarre. Ok, je vends ça. Attends. Ça c'est cool ça. Ça c'est très cool parce que ça va déclencher mon combo. Donc je vais pouvoir périple et agent du S7. Si, en tout cas, si besoin. Il va prendre beaucoup de dégâts, mais c'est pas très grave.
On va commencer par ça. Les 3 sont très faibles, on va prendre le rochon. Et on va acheter 7 ça. Ok, on a un drake au prochain tour. C'est un petit peu dommage parce que ça j'aurais aimé pouvoir le tuer facilement, mais... Enfin avec la dague, mais bon. Le fait qu'il ait piécé ça m'oblige à tuer plutôt la 4-2. Du coup c'est un warrior cooldown les gars. Un petit peu la musique. Alors ok, on va juste trade ici et drake du coup, ce qui lui va lui permettre de trade tourbillon, ça ne dérangera pas. Oh ok, je le jouerai pas sur ce tour pour le coup, mais c'est une carte honnête. Il y a Talnos aussi que vous pouvez rajouter dans ce deck là, je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais vous pourriez y rajouter Talnos si ça vous intéresse. Ok, ça et ghoul, ouais. C'était le plus probable. Ça me dérange pas trop. Alors. Allez, nous on veut Gadgetzan. Ah, il est là, superbe. Là tu me régales mon gars. Là mon gars, superbe. Il nous faudrait la carte pour dissimuler. Donc là globalement ça va être ça, ça et se soigner. Oups, pardon. Ok. On a Gadgetzan, il est là. On va attendre encore un ou deux tours, je pense que ça va dépendre. Si on a besoin du backstab au prochain tour, on va le faire. Gadgetzan, backstab, et on va soit piocher avec ça, soit un truc comme ça. Le mieux, ce serait vraiment de top decker le dissimulé en fait. Le dissimulé serait vraiment génial. Ok, heurtoir. Et deuxième ghoul. Probablement un deuxième ghoul. Ce qui me dérangerait pas trop parce que j'ai une arme qui peut la tuer. Ou rien. Ah, deuxième ghoul, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va jouer ça. On va jouer ça juste pour choper une carte. Ouh. Ok, prenons match de Santalnos. On va pas décoller non plus. Yeah, ok. C'est honnête. On avait Anubarak. Est-ce qu'il a les 10 ou pas? Ouais, il a les 10. Waouh, ok. C'est ici. Ok, ça tape 3. Ça tape 5. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Est-ce qu'on a besoin d'éviscération ici? Ah, je pense que oui. Ah, peut-être non. Peut-être c'est piocher comme ça. Ouais, je pense que c'est meilleur de piocher comme ça. Tellement tenté de faire ça. Allez, on y va. Ça va nous permettre de recycler un petit peu. Voilà, au moins on aura le deuxième Gadgetzan. Ok. Ça nous permet de recycler un petit peu en fait, c'est ça l'idée. Certes, c'est pas forcément ouf ici, parce qu'il peut juste l'ordre de bouclier, hein, mais au moins on a recyclé, et au moins même s'il le gère, on a le deuxième Gadgetzan pour repiocher après. Il a top decker l'ordre de bouclier. Il a envie de jouer cette carte-là. En tout cas, s'il peut pas le tuer, il a perdu. Ah, il a top decké l'heure de bouclier. Infâme. Infâme. Puis ça collite. Ok. Infâme. Ok. Jouons. Ah merde. Putain, j'allais jouer Von Cleef. Qu'est-ce qu'il m'a pris. 4 et 5. Ça fait 9. Nice. Ça fait 7. 9. What the fuck. Oh, wow. Ok. Ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Ça peut être vraiment pas mal. Toxine du chardon sanglant. C'est probablement la meilleure des toxines. C'est l'équivalent d'un Shadow Step, pas de l'ombre. Donc c'est quand même probablement la meilleure. J'ai suicidé le Talnos et la 2-2 pour pouvoir éviter de jouer autour de la baston. Et c'est vrai que du coup, s'il avait pas d'or de bouclier, il avait perdu la partie. Bon, après, c'est pas très avant qu'il les gérait, mais c'est vrai que s'il avait pas d'or de bouclier, il avait perdu. Ah bah il avait le deuxième, du coup il a pas top decké. Enfin, il a top decké mais c'était le deuxième qu'il a top decké. Ok. Ça me va. On va le faire tout de suite le Gadgetzan je pense. Il nous faudrait dissimuler les gars. Inflige 2 points de dégâts, ok, pourquoi pas. Wouh. C'est ici. Il nous faut la préparation. La préparation les gars. Ah. Ok, comment on fait? On a plusieurs possibilités. On peut éviscération. Oh, on peut éviscération, on peut assommer aussi ça. Hein.
Probablement qu'il y avait ça. Non, un sommet meilleur. J'ai trop envie de Von Cleef ici, mais. On va assommer ça, voir ce qu'on top deck. Préparation. Ah, backstab. Non, ça arrive trop tard. Ok. Est-ce qu'on va pas juste dissimuler et passe? Ok. On est à 16 HP, faut faire gaffe quand même à gros mâche. Hein. Faut faire un petit peu gaffe. Normalement on est bien, mais faut faire gaffe à gros mâche. Il a beaucoup d'armure, ça c'est chiant ça. Il a énormément d'armure. Il pourrait avoir Ktoon aussi. Ah, s'il a Ktoon, il peut le tuer, c'est vrai. Normalement le Warrior n'a pas de manière de le gérer, mais il peut jouer une créature et baston ou alors il peut Ktoon. Il a top decké un truc? Qu'est-ce qu'il a top decké? Ah, Sylvanas, ok. Est-ce qu'il peut tuer ça, Sylvanas? Ok, acolyte. Ça c'est pas de souci ça. Aucun souci là-dessus. Ok, comment on va gérer ça? Ok, réfléchissons quelques secondes. Il nous faut le dissimuler les gars, il nous faut le dissimuler, allez, le dissimuler. Ok. Ok. Il peut très facilement avoir dans sa main la baston, ok. Il peut très facilement avoir dans sa main la baston. Est-ce qu'on joue autour de baston? Je pense qu'on peut pas jouer autour de baston. Je pense que c'est le bon play, c'est ça. Ça et face. On va pas piocher davantage parce que on va bientôt mourir. Donc faut faire gaffe quand même. Faut pas trop exagérer non plus quoi. Enfin on va bientôt mourir, on va bientôt arriver à la fatigue. Ok, on a pioché quasiment tout le deck. Il faut pas qu'il ait la baston les gars. Il peut pas tout gérer, c'est impossible. Il a que la baston qui peut le sortir de cette situation là. Ou alors double exec avec un tourbillon, sachant qu'il a déjà joué les deux ghouls qui sont probablement les seuls tourbillons de son deck. Il joue War Tempo hein, je pense. Il joue Ah non, il joue War Ktoon. Ouais, il joue War Ktoon, je suis con. Ouais. C'est vrai qu'il joue. Il joue en fait il joue les deux ghouls comme un War Tempo, mais pour le coup lui il joue Ktoon. Ok, ça me va. Pourquoi pas. Il a combien son Ktoon? Il doit être un peu plus que 10, il doit être 11-11 ou 12-12. En tout cas dans tous les cas il est pas genre 22-22, un truc comme ça. Ah 10-10 10-10. Où est-ce qu'il va aller? Ok, c'est tout? C'est fini? Déjà? Oh bah ça va, c'est une carte d'enfant ça. Oh ça va. C'est génial. Alors du coup on a 10-15. Le problème c'est que si on joue Drake, on arrive à la fatigue quoi. Donc ça tape 3 maintenant. Ok. Donc je pense que le bon play c'est ça. Et dissimuler. J'aurais probablement dû sans froid vu que j'avais la pièce. En fait j'ai compté sans la pièce, j'ai compté mon tour sans la pièce et j'ai pas compté du coup avec la pièce. J'aurais probablement dû sans froid. Ok, dans tous les cas au prochain tour on a l'étal normalement. Quoi qu'il fasse, normalement. À part s'il me tue avec gros mash sous chef cruel ou gros mash. Je pense pas qu'il joue gros mash donc tout. Ça m'étonnerait qu'il joue gros mash. Et au prochain tour on a Leeroy. Renvoi dans la main, Leeroy sans froid. Ce qui représente bah 16 dégâts. Ah la baston. La baston, faut que ce soit la 18 qui survive les gars. La 18. Allez. Oh non. Non, c'est le Drake, rip. Rip, rip, rip. Non. Ok, on peut encore avoir l'étal ou pas? Ah mais il l'a top deck ou il l'avait déjà? Pourquoi il n'a pas joué le tour d'avance s'il l'avait déjà? C'est très étrange. Comment on va faire ça? Je pense qu'on fait sang froid là-dedans. Ça va face.
On peut le recoller 6, 7, 8, 9. Ok, on peut le mettre à 5. Ok, là on a pris combien de fatigue? On a pris 1, donc on reprend 2 et la 3. Donc ça fait 5, donc, et il a 2 dégâts sur le ward. Ah, c'est tellement dur quoi, on a dû le taper, il avait trop d'HP, il avait genre 45 ou 50 HP. Et on a pas réussi, on arrive pas à le tuer quoi. Après ça se trouve il pourra pas gérer le Drake. Après il faut qu'il puisse ni me tuer moi ni gérer le Drake pour qu'on gagne. Mais ce qui est très peu probable. Je pense que le play logique qu'il va faire là c'est soit déjà il me tue, mais s'il peut pas me tuer il va taper un coup là-dedans, exact ça, et il a gagné. Enfin, s'il tape là-dedans c'est qu'il a l'exécution. Ouh non il l'a pas. Ok. Ok. Allez. Pas de taunt, pas de taunt. Oh non, 10 d'armure c'est beaucoup. Non. Comment tu veux que je te tue si tu te donnes 10 d'armure, t'es con. Non. Ah, le pire. Ok, et Leroy du coup ça fait plus, il a 15 HP. Ah, fuck, dommage. Dommage. Oh, on s'est fait rouler dessus. Bon, après il avait trop d'HP, vous avez vu à quel point, genre il avait vraiment là pour le coup, il avait à un moment donné, il avait genre 45 HP, sans compter les dégâts qu'on lui avait déjà mis et les dégâts qu'il s'est pris avec les armes et tout. Donc bon, désolé les gars, on aura fait deux défaites, mais bon, on peut pas contrôler hein, quand on fait une vidéo contre quel deck on va tomber, là on est tombé contre Shaman Face et Warrior, on peut pas contrôler contre quel deck on va tomber, en tout cas vous avez vu que même quand on s'est roulé dessus, on a quand même l'occasion d'essayer des choses et de bien s'amuser, ouais, genre la game honnêtement contre Warrior, que je gagne ou que je perde, là c'était vraiment une superbe game. J'ai probablement fait des erreurs dans la game, mais en fait il y a des moments où j'aurais pu tenter des trucs, très YOLO que j'ai pas tenté, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est une très très belle game. J'espère que ce deck là vous plaira, que vous l'essayerez. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, les potes, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin de remplacer une carte, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les potes.